L'habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Il est destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé entre elles ou avec d'autres personnes et qui leur permettent de rester au cœur de la vie sociale et citoyenne. C'est sur ce modèle que le conseil départemental du Gard a pensé et créé les maisons en partage, voilà 10 ans déjà. Car nous pensons que cette forme d'habitat représente une solution adaptée à toutes les personnes en perte d'autonomie qui ne se retrouvent pas dans des alternatives déjà existantes, comme l'EHPAD. L'habitat inclusif a la particularité de pouvoir être assorti d'un projet de vie partagée, construit par les habitants et financé par une nouvelle aide allouée par le conseil départemental qui s'appelle AVP, pour aide à la vie partagée. Cette prestation est individuelle mais versée aux personnes morales qui gèrent ces lieux de vie et sont conventionnées par le conseil départemental. Ainsi, nous luttons contre l'isolement des personnes âgées et œuvrons à l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Vivre et bien vivre chez soi ou comme chez soi, un des objectifs majeurs du schéma départemental des solidarités sociales. Cette feuille de route pour les années à venir porte de grandes ambitions en faveur de l'habitat inclusif avec un objectif de 1000 habitats créés à l'horizon 2027. Collectivités, CCAS, bailleurs, associations porteurs de projets de droit public ou privé, nous avons besoin de vous pour offrir encore plus d'opportunités aux Gardoises et aux Gardois.